Et bonjour à tous les amis, c'est Brasé, votre gamer favori. On se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 26 novembre 2023, donc avec le retour de Star Wars, donc comme vous voyez actuellement à l'écran, avec Anakin Skywalker. Il est l'élu, fait partie de l'ensemble Prélogie, saison 2, chapitre 4, avec son holocron des Jedi qui sont accessoires de dos. Il conserve les enseignements des Jedi, donc voilà, tout ça pour 1500 V-Bucks. Le mini module de course, donc sa petite emote, donc à vous les courses de module. Pour 500 V-Bucks, c'est toujours la série Star Wars avec Padmé Amidala, donc la sénatrice la plus courageuse de Naboo, donc qui fait partie toujours du même ensemble, avec son éclat de Japor qui est son accessoire de dos, un porte-bonheur taillé par Anakin pour Padmé, tout ça pour 1500 V-Bucks également. Ensuite, vous avez le pack Dark Maul, donc avec Dark Maul, donc un redoutable guerrier Sith entraîné par Dark Sidious, avec son droïde sonde qui est son accessoire de dos. Droïde sonde des Sith, pardon, un droïde espion polyvalent utilisé par les Sith. La hache de Maul, donc c'est sa pioche. Elle a autrefois servi à terrasser une meute de Ragnar. La présence menaçante, donc c'est son revêtement d'armes. Et pour finir, l'infiltrateur Sith, donc qui est son petit planeur, donc tout ça pour 2300 V-Bucks, aussi nommé cimetière par certains. Voilà. Ensuite, vous avez le pack soldat clone, donc avec le soldat de la 501e, un combattant d'élite de la 501e Légion, toujours le même ensemble, donc avec le soldat Wolfpack, donc qui est nommé d'après son commandant bien-aimé Wolf. Le soldat clone d'Ahsoka, aux ordres de légendaire commandant Rex et Ahsoka Tano. Le garde de Coruscant, donc un soldat qui a juré de défendre la République Galactique. Le soldat de 212e bataillon, donc un soldat spécialisé dans l'offensive, servant auprès du général Kenobi. Le soldat clone classique, donc l'épine dorsale de l'armée de la République. Et pour finir, le sac de l'armée de la République, donc l'équipement réglementaire pour les clones de la République. Tout ça pour 1400 V-Bucks. Kylo Ren, donc lui, il fait partie de l'ensemble, il fait suprême leader du premier ordre, donc il fait partie de l'ensemble la nouvelle trilogie, saison 1, chapitre 2. Avec sa cape de Kylo qui est son accessoire de dos, cape de combat du premier ordre, tout ça pour 1500 V-Bucks. La vibre-lame, c'est sa pioche, la lame des chevaliers de Ren pour 800 V-Bucks. Le côté obscur, c'est sa petite emote, et il y a une grande perturbation dans la force, donc pour 200 V-Bucks. Voilà. Donc tout simplement. Ensuite, vous avez le pack Meneuse de Star, donc avec le retour donc du pack Meneuse de Star, donc en tenue rare, donc avec la joueuse décisive, portée avec style les couleurs de votre pays, fait partie d'un tir au but, saison 4, chapitre 1. Avec la buteuse implacable, portée avec style les couleurs de votre pays, donc voilà, vous pouvez les personnaliser comme vous voulez, en tenue rare également. La stoppeuse subtile, donc portée avec style les couleurs de votre pays. Et la meneuse habile, donc voilà, en rare également, tout ça pour 2500 V-Bucks. Hors pack, vous avez la joueuse décisive en tenue rare, donc. Avec style au choix, donc là vous pouvez personnaliser comme vous voulez le numéro, le pays que vous voulez, voyez tous les pays, donc voilà par exemple hein, la française, donc pour 1200 V-Bucks, donc la buteuse implacable, donc en tenue rare également pour 1200 V-Bucks, la stoppeuse subtile, donc en tenue rare pour 1200 V-Bucks avec la différente custom, la meneuse habile, donc en tenue rare pour 1200 V-Bucks, voilà donc pack et hors pack. Ensuite vous avez les packs champions du panier, donc avec l'avancante virtuose, c'est toujours le même ensemble, donc. En tenue rare, avec l'attaquant expert, le libéro inflexible et le défenseur acharné, tout ça pour 2500 V-Bucks, tout en rare. Hors pack, vous avez l'avancante virtuose, donc en tenue rare pour 1200 V-Bucks. L'attaquant expert, donc en tenue rare également avec les différentes customs pour 1200 V-Bucks. Le libéro inflexible, donc en tenue rare également pour 1200 V-Bucks. Le défenseur acharné en tenue rare pour 1200 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez leur. Pioche crampon d'or, donc sortez-les du terrain, donc en tenue une pioche atypique pour 500 V-Bucks. Fusilla, donc préparez vos bouchons, donc c'est une pioche réactive, donc un rare pour 800 V-Bucks, donc religieuse élimination. Le coup franc, c'est leur petit planeur atypique, et c'est le but pour 500 V-Bucks. Sans les mains, c'est leur petit emote rare, épatez votre équipe pour 500 V-Bucks. Joli jeu de jambes, donc une autre emote rare, dribbler jusqu'au but pour 500 V-Bucks. Carton rouge, c'est une petite emote atypique, saison 4 premier chapitre. Pas de ça sur mon terrain pour 200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours les packs gardiens du globe, donc avec Omni-Man, donc pas vraiment le papa modèle. Donc voilà, il fait partie d'un gardien du globe.
cette saison et ce chapitre, avec la tête de l'immortel qui est son accessoire de dos hippique également. La cape d'Oniman, c'est un accessoire de dos hippique. La cape emblème d'Oniman, donc c'est un deuxième accessoire de dos hippique. Invincible en tenue hippique, avec son sac burger Mart qui est son accessoire de dos hippique. Atom Eve en tenue hippique, avec son emblème d'Atom Eve qui est son accessoire de dos hippique. La cape de Eve, c'est un deuxième accessoire de dos hippique. Et un troisième, le cap de l'emblème d'Atom Eve. Tout ça pour 2800 V-Bucks. Alors pas que vous avez Invincible avec son accessoire de dos en hippique pour 1500 V-Bucks. Omni-Man, tenue hippique avec sa tête de l'immortel, accessoire de dos hippique, avec sa cape d'Omni-Man, premier accessoire de dos. Et un troisième, donc le cap d'emblème d'Omni-Man pour 1500 V-Bucks. Atom Eve, donc avec en épique également, avec son emblème Atom Eve, son premier accessoire de dos, la cape d'Eve, un deuxième accessoire de dos, et le cap d'emblème Atom Eve, c'est le troisième accessoire de dos hippie pour 1500 Rebec. Voilà, pack à leur pack donc. Ensuite, vous avez leur pack d'équipement des gardiens du globe, donc avec la balle hyper rapide, pas d'entraînement, c'est une motte rare. La masse de monsieur de War Woman, donc c'est sa pioche atypique. Le bras de Réanime Mech, donc un autre outil de collecte rare. L'épée subatomique, donc encore un outil de collecte rare. Et impression invincible, donc c'est des revêtements atypiques, donc tout ça pour 1800 V-Bucks. Alors pas que vous avez le bras de Réanime Mech, donc outil de collecte rare pour 800 V-Bucks. La balle hyper rapide, donc ça c'est une motte rare pour 500 V-Bucks. La masse de War Woman, donc c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. L'épée subatomique, la deuxième pioche petite collette rare pour 800 V-Bucks. L'impression invincible, c'est le revêtement d'armes atypique pour 300 V-Bucks. Voilà, pack air pack, donc toujours. Ensuite, vous avez le retour de la baliseuse, donc avec ses deux customs en tenue rare. Laissez votre trace de votre passage, parti en symbolisage, saison 7, premier chapitre. Avec son modulomètre, donc qui est son accessoire de dos rare également. Ne perdez pas le signal. Objet réactif change de couleur en fonction des dégâts infligés aux adversaires, donc tout ça pour 1200 V-Bucks. La matraque tactique, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. Cathodique, c'est son petit revêtement d'armes animé atypique pour 300 V-Bucks. La survivaliste, donc en tenue rare, une tenue survivaliste rare, saison 1 chapitre 1 pour 1200 V-Bucks. Le tch, donc ça c'est une petite emote rare également. Les aventuriers décident de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Saison X, premier chapitre, donc pour 500 V-Bucks. Seiso, donc c'est une petite emote Siricone, saison 4, chapitre 2. Roulez loin de vos soucis pour 500 V-Bucks. Ensorcelante, donc c'est une petite emote hippique, donc saison 6, premier chapitre. Faites-le tomber à vos pieds pour 800 V-Bucks. Désossé, c'est notre petite emote rare, donc tout est dans les nuits, saison 4, premier chapitre pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez Frisson, donc trembler de froid, et d'effroi. Fait partie d'un royaume des glaces, saison 1, chapitre 2. Avec ses ailes de givre qui sont accessoires de dos hippique également. Planer sur les courants glacés, tout ça pour 1500 V-Bucks. Le pack inspiration animale avec Garen en tenue hippique. Donc nourrissez-les avec des pancakes. Partie d'un inspiration animale, saison 6, premier chapitre. Avec son lapinou, accessoire de dos hippique également. Ne vous faites pas carotter. Aboyeur, donc attention aux chiens très méchants, donc en tenue hippique également. Avec sa canine accessoire de dos hippique, pensez à ramasser derrière lui. La picoreuse, c'est leur pioche atypique. Et coussin vert, c'est leur planeur rare. Donc voilà, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Garen en tenue hippique avec son lapinou accessoire de dos hippique pour 1500 V-Bucks. Aboyeur en tenue hippique avec sa canine et accessoire de dos hippique également pour 1500 V-Bucks. La picoreuse, c'est leur pioche atypique pour 500 V-Bucks. Le coussin vert, c'est leur petit planeur rare pour 800 V-Bucks. Voilà. Pack et hors pack. Ensuite, vous avez toujours le pack Jugement Dernier pour 7,49€, donc avec Katrina et son chrysanthème qui sont accessoires de dos hippique. Willow en tenue hippique avec sa poupée flippante qui sont accessoires de dos hippique. Et Indigo et ses deux customs avec ses ailes d'Aspera, accessoires de dos hippique également, avec ses deux customs, donc tout ça pour 7,49€. Ensuite, pour 9,99€, vous avez le pack Brigade du Crâne, donc avec le tout en hippique, donc avec Poscaille osseux. Et ses os de poisson qui est sa pioche hippique. Experte des os, donc en hippique avec son nœud osseux qui est son accessoire de dos hippique. Boss des os, donc en tenue hippique avec son accessoire de dos, sachet d'os et os du boss qui est sa pioche hippique. Et ravageuse osseuse, donc avec ses ailes osseuses qui sont accessoires de dos hippique également. La vol osseuse, c'est leur petit planeur hippique. Et pour finir, vous avez osseux, leur revêtement d'armes rare. Donc tout ça pour 9,99€, donc le prix du pack. Donc voilà, donc déjà.
Ensuite, vous avez toujours possibilité de souscrire Club Fortnite pour 12 euros par mois. Depuis le mois de décembre, vous avez l'ensemble de finités au club, des objets cosmiques exclusifs au club, dont une nouvelle étape est dévoilée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous obtenez le pass de la saison. Vous obtenez également le Rocket Pass Premium. Donc, grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur des appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous avez déjà passé de combat, il vous rembourse 150 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci, un cadeau, c'est toujours Hybride Dragon d'Acier. Donc, il partit ensemble Hybride évolué saison 4, chapitre 4. Donc, Anthony Hippique avec ses lames d'acier draconique qui sont un sauveur dodo Hippique. Et les griffes draconiques, sa pioche hippique, donc tout ça pour 12 euros si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cette vidéo. Si vous avez pu, n'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager, c'est très important, hein, les amis. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est un bon droit que je peux faire, c'est totalement gratuit. Tu cliques sur s'abonner, tu peux activer la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Et pour le soutien, tu le connais par cœur, c'est le code qui a enflammé ton été, qui va réchauffer ton hiver, c'est le code de l'année, c'est le code brasier en majuscule, en minuscule, en mode Fortnite, on s'en fout, mais tape c'était, moi ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous laisse, donc je vous souhaite une bonne journée. Donc nous, on se retrouve demain pour notre live GTA à partir de 18h, tu le sais. C'est le rendez-vous quotidien, donc voilà, hein, on sera toujours accompagné de notre ami Oxymore et Nero. Donc voilà, ce sont mes deux compères qui m'aident à avancer, évoluer dans le jeu. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, portez-vous bien et à demain, bye bye.